Ce mec menace ma famille et maintenant il veut qu'on se rencontre. Il a su exactement comment attirer mon attention. D'accord, je vais jouer le jeu. Les flux sont fractionnés. Il doit y avoir deux terminaux CityOS. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bellwether.
que tu me trouverais. T'as toujours adoré les mystères. Alors, Eden, comment ça va? Damien Briggs. Mais à quoi il joue? Désolé pour la partie de cache-cache. Je voulais voir si t'avais pas trop perdu la main. Faut qu'on discute. Mais avant ça, tu devrais te dépêcher. Ta petite cascade a déclenché une alarme. C'est pas ce que j'avais prévu. Mais on va pas tarder à être interrompu. Alors si tu t'en sors, rejoins-moi. Je choisirai un endroit sympa. Pourquoi s'en prendre à ma sœur? On s'est pas parlé depuis... le Merlot. Je crois qu'on a une nouvelle cible pour vous. Laissez tomber votre taf en cours et concentrez-vous là-dessus. Damien, on va discuter.
crois qu'il a pété les plombs. J'ai vu un truc. Ça alors, comme il est malin. C'est ma tournée. Salut Damien. Dis-moi que je t'ai manqué. T'as demandé à Staré d'appeler ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait ici, Damien? T'es toujours aussi sinistre, Aiden. Putain, jamais tu te détends, toi, hein? Je veux retrouver mon partenaire. Moi sur l'ordi, et toi, sur le terrain, pour le travail d'homme. Je suis là pour t'aider. On veut la même chose? Des réponses. Qui nous a attaqués? En plus, je sais que t'es dans une impasse en ce moment. T'en fous. Donc, je viens avec de bonnes nouvelles. L'affaire du Merlot. Le Merlot. Le Merlot, c'était ta faute. Mon cul. C'est toi qui as lâché un plan en or. Personne n'aurait rien su si tu étais resté avec moi. Une gamine de 6 ans. Ma nièce est morte à cause de tes conneries. Oh, c'est trop mignon. Tu me reproches tes petits problèmes familiaux. Damien est allé trop loin, il a énervé les méchants. Et moi alors? Quoi, toi? Tu crois être le seul à souffrir? Ils m'ont estropié. Ils m'ont tout pris. Tu sais si... c'est ça qui nous unit. J'ai pas besoin de toi. Il y avait un autre hacker. Il y avait un deuxième hacker. Et je sais comment. Je suis ravi pour toi, Damien. Mais tout seul, t'y arriveras pas. T'as besoin de moi. Le problème, c'est que moi... j'ai pas besoin de toi. T'en vas pas. Je t'ai donné une piste. Merci pour l'info. Au début, je l'admirais, Damien. Il m'a appris à identifier les failles dans un code et à les exploiter. Moi, je lui ai appris à faire la même chose, mais sans ordinateur. Les gens sont souvent plus vulnérables que leur système. On faisait une bonne équipe. Après Lena, j'ai coupé les ponts avec lui. Je voulais plus jamais en entendre parler. Mais là, il revient à la charge. On savait de quoi on avait peur. Il faut que je découvre ce qu'il sait sur le Merlot. Tu vois ? Maintenant, ces tripes numériques, là, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Enfin, c'est n'importe quoi. Je suis pas possible.
assainissant de la ville contre la vulnérabilité du réseau CityOS. D'après ce groupe, des professionnels du piratage pourraient manipuler le système pour le compte du plus offrant, comme des terroristes. La mairie et la police ont dénoncé ces déclarations, accusant le groupe de vouloir semer la panique. De leur côté, les membres de DedSec préfèrent se voir comme des lanceurs d'alerte. Une forme d'hypnose. Qu'en est-il de cette mode? En tout cas, on peut dire qu'elle fait fureur. Qu'en pensent les passants? Cette drogue est pour l'instant considérée comme parfaitement légale et sans risque. Elle modifie notre perception du monde et peut affecter l'humeur et l'intelligence. Vous en avez pris? Ouais, juste une fois. C'était génial. Est-ce que vous pourriez me décrire les effets? Eh ben, ça change en fonction des gens. Moi, par exemple, j'étais une araignée géante. Ça me réveille complètement. Du coup, j'en prends quand je révise pour un examen. Et perso, moi j'ai jamais eu de batterie comme certains. C'est cool! Moi j'ai pu escalader un immeuble, le kiff total! Et vous pensez que c'est sans danger? Mais bien sûr, il n'y a aucun problème, c'est sans danger! Moi ça m'a aidé à arrêter de fumer. Scientifiquement, rien ne prouve que ce produit est dangereux. Mais il est encore trop tôt pour déterminer les effets secondaires d'une telle drogue de substitution. Hein? Non, voyons bon, c'est un placebo ce truc. Ou alors peut-être que les gens utilisent l'application en même temps qu'une drogue. C'est ridicule. Les versions les plus populaires ont été développées par l'artiste-performeur de Chicago, Emperor Rat. C'est le kiff total! C'est trop cool! Ça donne très envie. Je rends l'antenne. Tu sais qu'il laisse tout le temps des fleurs? Non. Cette petite a beaucoup d'amis. Avait. Il faut que je passe à autre chose. Je sais. On a tous vécu un vrai cauchemar, mais... il faut vraiment que t'arrêtes de remuer tout ça. Je remue rien du tout. Hayden. Je sais ce que tu fais. Je sais que tu recherches les gens responsables de tout ça. Mais tout ce que tu vas obtenir, c'est que tu vas encore nous mettre en danger. Vous n'êtes pas en danger. Puisque je vous protège. Non, mais tu t'entends parler.
Aiden, pourquoi est-ce que t'arrêtes pas? Parce que... Il faut que je sache. Tu es mon frère. Et je t'aime. Mais Jackson, c'est toute ma vie. J'hésiterai pas une seule seconde à t'abandonner pour le protéger. Promets-moi que tu vas arrêter. Tu peux plus rien pour Lena. Je l'ai tuée. Non, c'est faux. Je t'en veux pas. Mais promets-moi que tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Promets-le-moi, au nom de notre famille. Je te le promets. Lena est morte et je peux rien y changer. Mais comment je peux oublier tout ça? Je crois que t'as un problème. Il y a un mec du stade qui a survécu. S'il se met à parler, tu seras identifié. Il a survécu? Comment c'est possible? Bah, j'imagine qu'il est pas mort. Mais t'inquiète, hein, j'ai un plan. Retrouve-moi à Gorman Heights, sur le toit. Désolée. D'accord. Je n'ai pas tout seul, hein. On t'a pas vu à l'enterrement. Et pourquoi je serais venu? Il a jamais rien fait pour moi, à ce que je sache. C'était quand même ton père. Ouais, ben moi j'étais son fils, putain. Et on peut pas dire qu'il en ait eu grand chose à foutre. J'étais censé faire quoi, moi? Venir et faire comme si j'étais triste et tout tralala? Faire du cinoche devant la famille? Mon cul, ouais. Je préfère l'oublier, et puis c'est tout. Mais c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui vole dans les bureaux. Moi, je lui ai juste donné le mot de passe, c'est tout. Mais c'est de ta faute aussi, alors. Écoute, je savais pas ce qu'il allait faire avant qu'il le fasse. Pourquoi tu dis que c'est ma faute? Il m'a dit qu'il avait perdu ses codes. Je suis une réceptionniste, moi. Et lui, c'est le manager. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Encore? Et combien cette fois? $200 pour le transfert du dossier et 50 pour frais de retard. Maintenant, ils vont nous faire passer un entretien au service de l'immigration et il va falloir qu'on prouve qu'on est vraiment ensemble. Après...
après ça, il aura ses papiers. Et comment on prouve un truc pareil? C'est le problème, ouais. On pourrait peut-être apporter nos sextoys et leur faire une petite démonstration. Ah, ça, c'est sûr, ça va marcher. Je sais pas, hein. Tu l'as vu quand il est excité? Ils vont le prendre pour un terroriste direct. Où est-ce qu'il est? Jordi, c'est sans doute le pire des partenaires possibles, mais au moins je le connais. Dans d'autres circonstances, je serais peut-être à ses trousses. Ou le contraire. Mais s'il me dit qu'on a un problème, je dois me préparer à la pire des catastrophes. Il me restera plus longtemps à vivre, si je laisse ce survivant m'identifier. Salut. Oh putain. Jordi, c'est qui ça? Bah, ils habitent ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la sécurité de l'immeuble est super pointue. Du coup, des gens comme eux, ça se sent à l'aise. Pour te dire, ils avaient rien d'autre qu'une petite chaînette à leur porte. De quoi regarder la tête du livreur de pizza avant d'ouvrir, tu vois? D'accord, d'accord, je vois. Et à propos du problème? C'est pour ça que j'ai pris ma grosse pince. Il ouvre un peu sa porte, il y a la chaînette, je mets la grosse pince et quick. Et là, surprise, ce soir on mange chinois. Jordi, le problème, il faut s'en occuper. Mais on s'en occupe, c'est ce qu'on fait. On nage dans les solutions, là, Pierce. J'ai bien l'impression que t'apprécies pas vraiment ce que je fais pour toi. T'imagines pas une seconde tous les services que je te rends. Et ça, c'est pas bien. Vraiment? Ouais. Si tu veux me rendre service, mets-toi au boulot. Combien de temps on a? Pas des masses, à vrai dire. Oh, tu te souviens du cadavre? Tu sais, celui du stade, c'est plus vraiment un cadavre. Les flics l'ont envoyé au correctionnel de Chicago et il va bientôt entrer dans une salle d'interrogatoire. Tout ça pour pointer son gros doigt directement sur toi. Et comment c'est possible, ça? Et voilà qui recommence. Regarde cette vue. Tu vois là? J'ai reçu un coup de fil ce matin. Quelqu'un a payé une sacrée fortune pour choper ce clown et le faire parler. Et l'un de ces types dirige la mission. D'accord, je vois. Il faut que j'aille lui parler, c'est ça? Oui, mais cette fois, essaie de parfaire le coup du flingue vide. Ce pauvre Maurice s'est pissé dessus après ton sketch. Chacun ses méthodes. Tu sais te servir de ce truc? Allez, bouge ton petit cul, je te couvre. Ah, et essaie de pas tuer le boss cette fois. Il peut être utile. Sans blague. Ça vide, d'accord? Mes potes du balcon commencent à gémir et ça me donne la migraine. Et si j'ai la migraine, je vais pas te servir à grand chose. Tu crois que t'es le seul à vouloir faire ça vite? Comment je peux savoir ce que tu veux? L'empathie, c'est pas ton truc, hein? Non, pas trop, non. C'est quoi ce contrat proposé au fixeur? Qu'est-ce qu'il cherche? Toi? Quelqu'un veut la tête du justicier. Du coup, ils vont organiser un faux transfert de prisonniers pour faire sortir le seul témoin capable de t'identifier. C'est la première fois qu'ils mobilisent autant d'hommes, par contre. Ils savent que je vais essayer de les arrêter. Écoute, le témoin connaît mon visage. Si les fixeurs le retrouvent et découvrent comment je m'appelle, ils s'en prendront à ma famille. Ah, la famille. T'es trop sentimental, Pierce. Le voilà, ton point faible. Quelqu'un s'en servira contre toi un jour. Bon, je vais faire de mon mieux pour te couvrir, mais je peux pas tous les voir. C'est parti. Thank you.
Élément inconnu en visuel. Examen nécessaire. Ça doit pas être loin. Tu vois que dalle. T'endors pas. Cherchez de ce côté.
Attention! L'examiner. Putain. Trouvez le tireur. Si vous le retrouvez pas, je vous bute. C'est pas encore fini. Je suis prêt à parier que le boss est dans ce bureau. Attends, attends! Arrête! Qui est sur le coup de la prison? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas de quoi tu parles! Lance Brenner. Comment elle va, ta petite famille? Qu'est-ce que tu me veux, putain? Je te demande comment va ta famille. Oh, j'ai bien l'impression que t'as une double vie, toi. Père de famille, des gosses bientôt à la fac. C'est cher, ça, pour un syndicaliste. Je t'emmerde. Et puis, il y a le reste aussi. Des comptes fantômes, pleins à craquer. Eh. Est-ce que t'es au courant que ton nom est lié à tout un tas d'affaires classées ? Ça intéresserait les flics, tout ça. Ok, attends. Tu veux du fric ? Je t'en fais une partie, si tu veux. Ça y est, je m'emmerde. Ok, ok. Putain. Le coup de la prison, c'est Angelo Tucci. Il dirige un convoi, mais c'est trop tard, tu le retrouveras jamais. C'est pas lui que je veux. Il a de la famille en ville, non? Tu lui veux quoi, sa famille? C'est quoi ton putain de problème? Ça serait trop long à t'expliquer. Réveille-toi, Pierce, s'il en arrive d'autres. Il y en a beaucoup. Pas mal, ouais. Oh merde. Thank you.
Défonce-lui sa gueule! Vas-y! Ma bagnole est flinguée! Vas-y, éprends-le! Continuez à chercher. J'ai perdu sa trace. Merde, il a filé ce petit con. De me rappeler. T'as retrouvé celui qu'on cherchait ? Ouais. Je te raconterai tout ça. Écoute, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Mais j'ai un nom ce coup-ci, Elena Tucci. Elle est liée au type que je cherche. D'accord, elle vit à Chicago ? Ouais, j'ai besoin de savoir où la trouver. Alors... C'est bon. Waouh, elle a une sacrée empreinte numérique. Ok, ce matin, elle a publié quelque chose à propos d'un rendez-vous devant la Willis Tower. Super, je te rappelle quand j'y serai. J'aurais peut-être besoin d'aide.
Ça va? Belle journée pour le shopping, non? Désolé, pas de remboursement. Dégagez. Train arriving shortly. Malgré vos retours, il est temps de vous faire vacciner. Heureusement, vous pouvez compter sur le site iOS pour vous inscrire. Inscrivez-vous, le système accédera à votre dossier médical. Une pression sur votre appareil mobile et vous pourrez consulter vos analyses ou localiser la clinique la plus proche. Le service vous permet également de prendre vos rendez-vous médicaux. Grâce au site iOS, jour après jour, restez en forme.